Presque, quel but, hein, là, du début de match. L'analyse, c'est qu'on est en retard sur chaque duel, on a un temps de retard, donc bah, on prend l'eau, on prend l'eau mieux au terrain. Après, le système en 3-5-2, je pense qu'il n'est pas, pour l'instant, il n'est pas assez adapté par rapport aussi aux conditions athlétiques individuelles. Donc, on prend l'eau mieux au terrain. Après, voilà, on écoute le système du coach et on va travailler là-dessus. Hein. Et toi, tu t'es senti bien ou quoi? Bien, Non, parce que je touche pas assez de ballon et j'ai besoin de toucher des ballons, même si je marque mon but là. On a vu les multitudes d'appels que tu faisais et les ballons qui n'arrivaient pas. On a toujours un temps de retard dans les transmissions, pas assez rapide, donc bah, parce que beaucoup d'appels dans le vide. Mm. Donc on a l'impression qu'on n'est pas bon parce qu'on court dans le vent. Quoi. Mm-hmm. Mais c'est pas grave, on répète les efforts, on travaille, mais on ne se connaît pas. Donc, ouais. Les automatismes vont arriver. Il y a une équipe en face qui est intéressante, qui se connaît bien aussi, donc qui maîtrise déjà son jeu. Mmh. Donc voilà, ça nous ramène un peu plus de densité au milieu de terrain et d'éviter de jouer le hors-jeu quand on joue à 3 derrière. C'est compliqué. Ça marche, merci beaucoup, Price.
Donc là, franchement, pour une première, on se connaît pas, machin. En face avec des mecs eux, qui, à part un ou deux mecs qui n'étaient pas là nous sur le match retour, c'est plutôt pas mal hein, dans le jeu, tout ça. Maintenant, il y a du déchet, les gars, c'est normal. C'est fin de saison, il y a la fatigue. Techniquement, on n'est peut-être pas tous au même niveau, physiquement non plus. Mais par contre, il faut qu'on soit beaucoup plus en bloc et beaucoup plus, on sort plus vite, Francis. Et qu'on pousse plus vite, surtout sur la fin de deuxième. Plus on va laisser d'espace, plus pour eux ça va être facile. Ils vont trouver intérieur, ils vont se régaler, tout ça. Il faut vraiment qu'on compacte à mort, d'accord. Et après, sur, à la récupération, ça s'est vu sur un ou deux coups, on est statique, on ne demande pas. On récupère le ballon et comme on ne bouge pas, là sur 2-3, les joueurs proches, bah, du coup on a du mal à ressortir. La fois où on le fait, où on se met en mouvement, on a ressorti de là-bas là. Et ça a fini sur action de but ou sur but. Donc c'est, voilà, mettons du mouvement à chaque fois et faisons simple. On a vu, on donne et après on se déplace. Moi le premier, ce que m'a dit Francis, on cherchait trop avec le ballon, chercher la solution. Non, on a vu la première, on donne et après ça va recréer du mouvement. Ok ? S'il te plaît, oui, félicitations pour ton match, homme du match, t'as fait une belle prestation. Comment tu t'es senti dans ce match? Léger, hein. C'était dur pour moi. Hein. Ah ouais, à ce point-là? Je ne vous cache pas que c'était dur. Ah, les belles passes que t'as fait, la passe décisive sur... La passe décisive sur Price, ouais. Elle était belle, hein? Ed, alors, comment tu t'es senti dans ce match? Bah, bien, quand tu joues avec des bons joueurs autour de toi, ouais. On dirait que toi aussi t'es bon, moi si t'es pas bon. En tout cas, on t'a vu courir, ouais. On a vu que t'étais bien entré dans le match, hey. T'as failli marquer un but là. Au bout de 30 secondes. Ouais. Les anciens, tu sais comment faut que ça joue? Contrôle passe, tu perds aucun ballon. Voilà. Donc, simplement. Comme je dis aux joueurs, faut faire ce qu'on sait faire, faut pas s'inventer une vie. Super, merci beaucoup Fred. C'est toi, roule. Bon, coach Pedro, ce premier match? Bah, pas mal de nouveaux, donc ouais, bah, match très compliqué, mais dans l'ensemble c'était encourageant. En tout cas, c'est encourageant pour la suite. Quoi. Ouais, tu les as sentis comment les... Non, bien, c'était un bon match en tout cas. Tout le monde avait envie de prouver quelque chose aujourd'hui, en tout cas ce soir, donc non, c'est bien. Et la cohésion entre les nouveaux, les anciens? Bon, la cohésion, je pense que ça a été. Après, c'était assez timide, enfin, c'était assez calme, quoi. Personne n'a gueulé, donc voilà. Quoi. Ouais, tu fais un bon score, mine de rien, 3-3 ouais, contre les premiers qui montent. Shell qui vient de monter en D1, donc. Ouais. Non, ben c'est bien. Très bien. Ça promet. Merci beaucoup. Merci à toi. Ils ont une bonne équipe, Mande France. Ça se voit que c'est coaché par un coach compétent. Il est compétent. Merci les gars. En tout cas, bon accueil. Ouais. Super accueil. Et puis, terrain. Et félicitations à vous pour votre montée. Merci. Et bon courage pour la saison prochaine. Super. Merci.